et bienvenue dans les coulisses du Royaume des Lions, la web-série réalisée par le blog Tout Savoir Animaux. Aujourd'hui dans l'épisode 4, nous pourrons retrouver Emmanuel, responsable technique, qui nous présentera son métier. Vous pouvez aussi découvrir l'avancée des travaux du Nouvel Enclos et des Africa Lodge. Dans les coulisses du Royaume des Lions, l'épisode 4, un chantier qui avance bien. Bonjour, moi c'est Emmanuel Toublanc, Manu. Donc je suis au parc depuis une vingtaine d'années. J'ai occupé la place de soigneur pendant 15 ans. Et puis maintenant, de fil en aiguille, en fait depuis 5 ans maintenant, j'occupe la place de responsable technique. Donc c'est-à-dire en fait, lorsqu'on a des gros projets, on les fait avec l'équipe de soigneurs. Et c'est moi qui chapeaute ces choses-là. Donc en fait, de l'élévation des murs, des fondations, l'élévation des murs, au grillage, aux charpentes, tout ce qui peut exister en termes de bricolage. Donc c'est nous qui le faisons, toute l'équipe de soigneurs, et c'est moi qui gère tout ce côté technique. Ensuite, ça c'est pour la partie hivernale, et puis après pour tout ce qui est partie estivale. Donc étant donné que je me suis retiré du monde animalier, d'un secteur à proprement dit, je gère tout ce qui va être les petits soucis du quotidien dans un parc zoologique, tant du côté fuite d'eau, ou alors une panne électrique, ou alors gérer un souci de passerelle, ou ainsi de suite, voilà. C'est vraiment mon quotidien d'essayer que tout se passe au mieux dans la vie du parc. Nous, c'est l'entreprise Ono. Nous nous occupons de la fabrication et l'installation des lodges pour le zoo, ainsi que les passerelles. Je suis en train de réaliser toute la serrurerie des cages à lions, des box. En fait, c'est que des grilles qui arrivent sur mesure et qu'il faut qu'on assemble. Donc on a tous les systèmes de trappe, les systèmes de porte, les systèmes de passe-viande, comme ça. Donc par le nombre de box, en fait, ça fait de quoi s'occuper en fait. À sa fin, merci de nous avoir regardés. Et n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux en postant vos plus beaux clichés des animaux et de ce nouvel espace 2020 du Zoo de la Boissière du Doré avec le hashtag le Royaume des Lions. Et suivez nos empreintes sur Instagram, Facebook et Twitter. Et bien sûr à rester informé de toute l'actualité du Zoo de la Boissière du Doré et de vos parcs zoologiques et aquariums préférés sur toutsavoiranimaux.com. Vendredi prochain, retrouvez Corentin pour la présentation de l'épisode 5 de cette web-série.